Na 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 na. Dirty Dancing, film qui m'a fait rêver forcément toute ma jeunesse. Alors moi c'est plutôt des clips de Michael Jackson, voilà, vraiment qui m'ont de Michael Michel Jasson. Je dirais c'est pas un film, c'est un documentaire, Rise par exemple. Celle de break Forcément, mes chorégraphies de break. Chorégraphie de break, on va pas se mentir. Chorégraphie, bah c'est encore des chorégraphies de Michael Jackson, quoi. C'est une chorégraphie de Michael Jackson, je dirais. Mais, thriller, un peu de bad, mais ça va être le moonwalk, ça va être genre de truc. Voilà. Et moi, bizarrement, il y a aussi des choses qu'on a fait à deux sur break, qui sont des chorégraphies qui venaient de Sim Ahmed, le chorégraphe, et qu'on a incorporé tous les deux. The time of my life. Grise là, tout ça là. Ah, ouais, Grise. Ouais. Ah, oui. Voilà. Donc, on a la chanteuse. c'est cool. Nananana. Magic Mike, Channing Tatum. Ah putain, celle qui est dans Sauvé par le Gong là, qui kiffe, elle est dans... Elle a les cheveux courts. Pas la même. Mais c'est on est tous les deux en tout cas, on est raccord, c'est un film de striptease. Hein. Ouais, il y a du striptease. Ouais. On a pas le même film de striptease, mais c'est... Patrick Swayze. Bah, enfin, logique quoi. Bon allez, ça va être difficile, mais pour jouer le jeu, ça va être... celle qui joue dans Oni là. Ah, Jessica Alba. Ah, t'as raison. Enfin, quelle bombe. Ouais. Mais quelle bombe. Jessica Alba, qui est pas dans un film de danse, mais dans Sin City. Ah ouais, c'est vrai. Alors là. Ah, scène de danse. Alors là, ouais. Scène de danse. Scène de danse. Bah voilà, du coup, la scène de danse, moi, c'est l'autre question. Jessica Alba dans Sin City. C'est le moment le plus haut. C'est Jessica Alba dans Sin City, c'est la réponse à toutes mes questions en fait depuis le début.